C'est un débat de société. François Hollande s'y était engagé dans sa campagne présidentielle, lutter contre ce qu'on appelle le délit de faciès, en mettant notamment en place un récépissé en cas de contrôle d'identité, une pratique qu'un certain nombre de pays voisins pratiquent avec d'ailleurs des modalités, on va y rentrer très différents, y revenir différentes de ce qui pourrait se passer en France, puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques notamment, et que dans beaucoup de ces récépissés, l'origine des interpellés est signalée. Jean-Marc Ayrault, peut-être sous la pression de son remuant et efficace ministre de l'Intérieur Manuel Valls, a annoncé qu'il allait y renoncer, ayant été convaincu qu'il y avait d'autres moyens, aux grandes dames des jeunes socialistes, Thierry Marchalbeck, qui, eux, s'obstinent à vouloir que le président Hollande maintienne cet engagement de campagne. En tout cas, l'engagement est maintenu. La volonté de lutter contre le contrôle au faciès, de dire qu'il y a bien un problème qui existe, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles d'identité, ils sont nécessaires, ils sont indispensables. Ah oui, mais s'il refuse, vous n'allez pas nous faire le coup du traité européen à l'envers en nous disant qu'il est différent alors que c'est le même. Ah, et là, vous nous dites qu'il renonce à rien, sauf que ce ne sera plus un récépissé. Je vous parle du récépissé, je ne vous parle pas de la volonté générale de vouloir lutter contre le délit. Non, parce qu'il y a plusieurs choses. L'engagement du président de la République, moi j'aurais aimé dans la campagne en tant que jeune socialiste que ça soit attestation. C'est l'engagement du président de la République, c'était un changement de la procédure. Le changement de la procédure, ça peut être une réforme du code de procédure pénale, par exemple. Il était dans le document de François Hollande, on parlait du fait qu'il devait y avoir une nouvelle circulaire pour comment les policiers devaient rencontrer les habitants, les citoyens, et quelles sont les règles qu'ils devaient respecter. Et ça, c'était l'engagement du président. La volonté des jeunes socialistes, de façon très pragmatique, l'attestation de contrôle d'identité, ça fonctionne à New York, ça fonctionne à Toronto, ça fonctionne dans des villes en Espagne, ça fonctionne à Londres. Quelle est l'autre mesure qui a été pratiquée à l'étranger et qui fonctionne pour que ça soit un acte qui protège les policiers et qui garantisse le respect de la liberté d'aller et de venir aux citoyens? Simplement ça. Et nous, ce qu'on dit au Premier ministre, je comprends qu'il peut y avoir des réticences dans le pays, expérimentons. La maire de Lille, Martine Aubry, est prête à expérimenter. Le maire de Paris est prêt à expérimenter. Le maire de Dijon, François Rebsamen, est prêt à expérimenter. Il y a des députés, même un sénateur Nouveau Centre qui est favorable à l'attestation de contrôle d'identité. Donc je comprends les réticences, mais il faut pouvoir expérimenter pour convaincre les policiers. Yannick Dagneau, vous êtes porte-parole du syndicat de police SGP-FO. Il peut y avoir des réserves ou des hostilités de fond, politiques, là, et puis techniques, le point de vue du policier que vous êtes. Alors nous sommes la seule organisation syndicale à avoir travaillé sur le récépissé de contrôle d'identité tel qu'il est appliqué dans la banlieue madrilène, dans une ville de la banlieue madrilène. Pour autant, vu l'urgence qui règne aujourd'hui au sein du ministère de l'Intérieur, il est clair que ce récépissé est loin d'être une priorité pour nous, puisque la base y est de toute façon opposée, et qu'il y a des mesures urgentes à mener au sein du ministère de l'Intérieur, comme remettre le gardien de la paix aux racines de son métier, qui est entre autres le dialogue avec la population, et qui mieux qu'un îlotier dans son secteur connaît sa population et donc n'a pas lieu de mener des contrôles d'identité répétitifs. Alors quel bilan vous tirez justement de cette expérience madrilène, pardon. L'articulation, puisque c'est mené dans la banlieue madrilène, donc une ville de banlieue comme on en aurait dans le 93 des départements de M. Raoult, il est clair que, semble-t-il, ils sont satisfaits de leurs résultats. Pour autant, c'est mené au sein d'une police municipale. L'organisation de la police en France et de la sécurité en France n'a rien à voir avec nos voisins espagnols, comme ça n'a rien à voir avec l'Italie. La France conserve sa spécificité, gendarmerie nationale et police nationale, qui ont effectivement, au travers des agents de police judiciaire ou des officiers de police judiciaire, capacité à contrôler les identités de toute personne, de tout citoyen. Après, il y a des ajustements nécessaires, mais pour nous, ce n'est loin d'être une priorité. Une mesure trop lourde, beaucoup trop bureaucratique, trop lourde à gérer, avait dit le ministre de l'Intérieur devant les cadres de la police et de la gendarmerie, Éric Raoult. C'était une sorte de bulletin de défiance. On peut difficilement demander à des policiers de lutter contre l'insécurité en ayant envers eux simplement le rapport de confiance d'un État ou d'une municipalité pour la police municipale. C'est d'ailleurs, vient de rappeler qu'il y avait aussi Je vais faire une démarche administrative, que je donne mes papiers pour le renouvellement de ma carte d'identité et qu'on me donne un récépissé, c'est pas un acte de défiance vis-à-vis du fonctionnaire ou de l'administration. On dit quoi ? Celui-là, il ressemble à Michel Field. Vraiment, croire. Bon, je ne suis pas jeune socialiste.
Mais croire que les policiers, croire que les policiers, on sait que vous n'êtes pas socialiste. Oui, mais croire que les policiers n'ont que ça à faire quand ils font un contrôle d'identité dans un certain nombre de quartiers, pas forcément à l'entrée du bureau du Parti Socialiste ou rue de Solferino. Non, mais dans ça un pourrait endroit... être une garantie. Beaucoup de jeunes se plaignent du tutoiement, du délit de faciès, de propos qui sont quelquefois pas tolérés, qui ne devraient pas être tolérés de la part de fonctionnaires Est-ce de police, que vous croyez quelle que soit la difficulté de leur tâche. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une pacification des rapports. C'est ça, je crois que c'est ça que les promoteurs du récipice veulent. Michel Fil, quand j'ai vu ça, dans les premières semaines, dans les premiers jours de la nouvelle présidence Hollande, j'ai cru que c'était un gag. J'ai dit, ils veulent vraiment que tous les policiers votent pour la droite aux prochaines élections. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui, et franchement, sur ce que l'on vient de connaître à Strasbourg et à Cannes, ça remet tout de même ce dossier sous une actualité qui est préoccupante. On ne contrôle pas quelqu'un parce qu'il a un faciès de jeune de banlieue. On contrôle quelqu'un parce qu'il est dans un endroit où il y a pu y avoir un fait divers qui réclame une intervention policière. Vous savez que ce que vous venez de dire est contraire à la loi. Non, mais... Ah non, parce qu'on ne contrôle pas quelqu'un en fonction de là où il se situe. Non, normalement, le contrôle d'identité... Mais je comprends que vous ne connaissez pas le code de procédure pénale. Écoutez, soyez pas condescendant. Soyez pas condescendant. C'est pas en fonction d'un territoire, non, monsieur. Mais soyez pas condescendant. Je dis la réalité des choses. Si je peux me permettre, monsieur. Non, attendez, je termine. On m'a pas encore entendu, donc si je peux me permettre, parce que je trouve que... Ah oui, mais si c'est vous interrompez les gens... Non, mais je vous interromps pas, j'ai toujours pas pris la parole. Donc je me permets de m'exprimer au nom du collectif Stop le contrôle aux faciès. Je trouve le débat depuis tout à l'heure assez lamentable, dans la mesure où vous parlez de ce qui s'est passé à Strasbourg et à Cannes. Mais en quoi une opération antiterroriste concerne actuellement le reçu du contrôle d'identité? On vous parle, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le rôle du policier, c'est aussi, mademoiselle, de tous les citoyens. On vous parle de contrôle d'identité contre des apprentis criminels. Oui. Le contrôle d'identité concerne tous les citoyens français. Ensuite, vous nous dites, écoutez-moi s'il vous plaît, monsieur Raoult, vous nous dites que ce n'est pas une priorité pour la police. Je l'entends, monsieur Daniel, tout à fait, vous avez des priorités, vous avez des préoccupations que nous trouvons tout à fait... un héritage très lourd au ministère de l'Intérieur. Que nous trouvons tout à fait légitime et que nous trouvons tout à fait préoccupante. Néanmoins, il apparaît clair que c'est une préoccupation pour de nombreux citoyens qui sont quotidiennement, pour la plupart, victimes d'une discrimination majeure. Comment est-ce que vous pouvez justifier que des citoyens qui essayent de circuler librement sur le territoire soient discriminés en fonction de leur tenue vestimentaire, par rapport à leur couleur de peau, comment vous l'expliquez ? Aujourd'hui, on a proposé une mesure simple, efficace, qui a fait ses preuves à l'étranger, et qui permettra à la fois d'apaiser le rapport police-citoyen, parce que nous sommes également pour la police de proximité, nous sommes pour les îlotiers qui connaissent les quartiers et les territoires, nous sommes pour que tout se passe bien entre la police et les citoyens, et qui permettra d'autre part, donc cette mesure, ce reçu du contrôle d'identité, de fournir aux policiers des outils précis, donc à la fois avec des données quantitatives et qualitatives sur leur travail. Parce qu'aujourd'hui, et monsieur Daniel, arrêtez-moi si je me trompe, est-ce que vous pouvez me donner le nombre de contrôles d'identité par an? Est-ce que vous pouvez me dire combien de ces contrôles d'identité ont mené à une interpellation? Éric Raoult va vous répondre. C'est pas que du fantasme, Éric Raoult. Hein. En 2009, il y avait une étude d'une organisation humanitaire qui avait montré dans 5 lieux parisiens que un noir et un arabe avaient respectivement 6 et près de 8 fois plus de chances d'être contrôlé qu'un blanc, et pas au pied de cité, voilà, dans 5 lieux parisiens relativement. Donc il y a quand même un problème, et en tout cas il y a un ressenti, on parlait naguère du sentiment d'insécurité, il y a un sentiment de discrimination. Oui Michel, mais il y a aussi une difficulté du travail de policier. Qui s'est accru ces dernières années pour différentes affectifs, par les Monsieur Daniel, par différentes raisons. Mais un maire, vous savez, il est un peu commissaire en petit, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il a les policiers municipaux qui viennent le voir en disant voilà, il y a des difficultés dans le parc, il y a des difficultés sur tel secteur de la ville. La particularité, c'est que on oublie quand même la hiérarchie policière. Les policiers, c'est pas des robots. C'est des fonctionnaires de police, et même on peut rajouter plutôt des républicains. Donc en l'occurrence, soit on essaye d'être encore dans la campagne électorale,
C'est un peu ce que vous faites, monsieur. Vous avez gagné les élections. Vous avez, mais peut-être pas vous, mais je ne sais pas pour qui vous votiez. Mais la particularité, c'est que maintenant, vous êtes affronté aux réalités du pouvoir. Emmanuel Valls, il a la responsabilité d'avoir pu critiquer Claude Guéant et Brice Hortefeux et d'être maintenant aux manettes. Oui, et d'être maintenant aux manettes. C'est quand même gouvernemental, puisqu'on a demandé aux défenseurs des droits d'examiner les choses. D'ailleurs, je crois même qu'aujourd'hui même, ou hier plutôt, se tenait un séminaire sur justement les expériences européennes, comment ça se passe à Londres, plus qu'européennes, puisque comment ça se passe à New York, etc. Et puis, pendant que le défenseur des droits s'en occupait, Emmanuel Valls enterrait la chose avec la bénédiction du Premier ministre. Donc ça fait un peu désordre. Vous vouliez dire ? Je voulais dire tout simplement une chose, c'est que l'UMP, et vous avez voté un sacré nombre de budgets, a supprimé 10 000 postes de policiers. Les premières mesures du gouvernement de gauche et Emmanuel Valls, c'est quoi ? C'est on remet des postes dans la police. Vous en créez combien ? On en crée plus de 500 par an. Ah oui. Et on en met sur le terrain. Vous savez combien on a perdu de policiers ? Faudrait combien d'années alors ? Vous savez combien on a perdu de policiers à Lille en l'espace de 10 ans ? Plus de 150. Vous pensez que sincèrement, les policiers, leur travail... Parce que vous êtes soucieux des policiers. Vous êtes soucieux du policier lillois quand il a moins de collègues avec lui. Soucieux de la sécurité. Eh bien, mais nous aussi. Vous pouvez aussi. Vous faire voler votre voiture tout à l'heure en sortant d'LCI. Il faut avoir... De votre faute, parce que vous avez supprimé des postes de policiers. Arrêtez et donc, la campagne électorale. Monsieur le responsable national, vous avez gagné. Vous avez gagné. Monsieur Raoult, vous mélangez... Allez, attendez. Et c'est pour ça qu'on met 500 postes de plus. C'est d'une malhonnêteté. Raoult, on a vu d'autres. Mais deux contre lui, c'est trop. Donc c'est moi qui mets un peu d'ordre. Siam, à vous. Non, mais alors, vous me parlez de la baisse des effectifs policiers. Non, c'est lui, c'est M. Daniel qui en a parlé. Bon. Mais tout à fait. Mais nous ne demandons pas moins de police. Nous demandons plus de police, même, parce que ça la s'impose dans certains quartiers. Mais nous demandons une meilleure police. Une police qui soit respectueuse des droits et des devoirs de chaque individu. Et nous ne jetons pas, attention, nous ne jetons pas la suspicion sur tout le corps policier. Nous savons qu'il y a des policiers qui font très bien leur travail et cela représente certainement la majorité. Mais le comportement de certains suffit à jeter un discrédit, en fait. En même temps, est-ce que le récépissé, je prends les actes là, de ce séminaire que j'évoquais, le responsable de la police de Toronto, William Blair, ville dont plus de la moitié des habitants sont nés dans un autre pays que le Canada, dit que les contrôles d'identité nécessitent sans doute un cadre juridique, mais aussi une autorité morale. Il faut que la population ait confiance dans sa police. Ce rapport de confiance, c'est peu dire qu'il n'existe plus du tout dans certains lieux de la République. Non, mais les relations police-population, moi j'ai connu le fossé, aujourd'hui c'est un ravin. Si on ne revient pas en arrière, je le disais encore il y a très peu de temps sur, par rapport à la banlieue, on va ghettoiser encore un peu plus la banlieue et on aura des banlieues 13 aux portes de nos villes. C'est une réalité. Maintenant, si ce gouvernement ne remet pas le gardien à paix dans son métier de proximité, dans son métier de service public, eh bien il se plantera. Parce que ce qui a été fait auparavant, la course aux chiffres, la course au contrôle, là, justement, vous parliez, M. Raoult, de l'autorité hiérarchique. Quand une autorité hiérarchique est plus là pour avoir de bonnes statistiques que pour gérer son commissariat, il y a un réel problème. Nous sortons directement du service public et nous en arrivons au rendement avec tout ce que ça peut avoir comme déviance. Donc, moins de contrôle. D'ailleurs, l'affaiblissement de la hiérarchie, le ministre de l'Intérieur vient de la désigner comme une, sans doute, des responsables de ce qui s'est passé dans la BAC. Le commissaire de police de la BAC de Marseille. C'est l'être de noblesse de chef de service. Laissés à eux-mêmes. Et non pas de chef d'entreprise. Éric Raoult, est-ce que ça n'a pas été une boulette de l'ancienne majorité de crier haro sur la police de proximité, puisque même on a bien vu dans la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy la voir réapparaître sous des noms différents parce qu'il ne fallait pas se déjuger. Est-ce que là, il n'y a pas eu, franchement, maintenant qu'il y a prescription, on peut avouer ses erreurs ? On n'avait peut-être pas, je ne dis pas ça pour le président de la République, à Toulouse lors de sa fameuse déclaration, eu des propos, c'est vrai, hâtifs sur le foot et la nouvelle orientation des policiers. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut que l'on puisse avoir, parfois, une police qui soit spécialisée. Il faut qu'il y ait berrurier, mais il faut aussi qu'il y ait des policiers jeunes qui puissent faire des coursettes pour éviter... La police de proximité, c'est pas forcément berrurier. Non, mais la police de proximité, c'est aussi d'avoir la présence de l'uniforme et la présence de la personne qui, à pied, peut dire, voilà, c'est bizarre cette fenêtre ouverte au troisième étage de la résidence des Bois du Temple, parce qu'en l'occurrence, on sait que là, il se passe quelque chose. Je crois c'est ce qui a disparu.
Oui, mais ce n'est pas ce qui a disparu sciemment. Vous savez quoi ? On n'a pas une police, on a une police qui reflète une demande de sécurité. Comme disait Jean-Pierre Chevènement, il faut qu'il y ait une production de sécurité. Là, on a un ministre de l'Intérieur qui fait bouger les lignes. On va voir s'il les fait bouger jusqu'au bout. Mais on ne peut pas dire que les problèmes de la sécurité n'existent pas. J'invite la jeune personne qui de visiter un commissariat de police. Vous savez, moi, je suis persuadé que la majorité des policiers, ils ont eu un vote très républicain et très progressiste lors de ces élections. Vous savez, le terme de républicain, alors, on l'entend dans tous les débats. Protégez-les. Je pense que c'est un terme qui devient galvaudé. Ben oui, mais justement, voilà, merci de le rappeler. Je ne comprends pas, parce que le débat des vies, la mesure que nous proposons, encore une fois, le refus du contrôle d'identité, permettra, permettra de protéger la police. Puisque un citoyen qui le présente, qui saisit la commission indépendante que nous souhaitons créer, en cas de litige, parce qu'il s'estime victime de contrôle abusif, eh ben, il pourra, le policier concerné pourra dire, voilà, écoutez, voici mon carnet, moi je ne fais pas plus de contrôle. Mais c'est plus pas que le de, boulot du policier, il n'a pas été recruté pour ça. Alors, il a été recruté pourquoi? Parce qu'il me semblait que la police nationale était un service public chargé à la de protéger les citoyens et d'assurer la sécurité. Oui. Ben, c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'il y a des carnets chez les enseignants? Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Mais quel est le rapport entre l'enseignant et le policier? Pourquoi la suspicion à l'égard du policier? Parce que le rapport du CNRS de 2009, ils ont été créés avec les militants communistes à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'un noir a 6 fois plus et qu'un jeune, qu'une personne ayant une tenue vestimentaire apparentée jeune a 11 fois plus de se faire contrôler. Aujourd'hui, en France, en 2012, c'est juste inadmissible. Et je tiens à le rappeler, parce que tout à l'heure, on parlait de l'engagement de François Hollande. Thierry Machalbeck disait qu'il s'était engagé sur la lutte contre le contrôle au faciès. Non, Jean-Marc Ayrault, en juin sur une chaîne concurrente, a clairement exprimé le travail gouvernemental sur le reçu du contrôle d'identité. Il s'y est engagé et il faudrait, et une bonne changé. Fois pour toutes, que la gauche puisse être poussée et qu'elle puisse tenir ses promesses. En même temps, il y a eu un avis défavorable de la quasi-totalité des syndicats policiers. Donc il faut quand même que vous l'entendiez, ça. C'est faux aussi, M. Field. Quand on a commencé à travailler avec les syndicats de police, M. Daniel l'a très bien dit, on a travaillé ensemble sur le prototype du reçu du contrôle d'identité. On a travaillé avec tous les syndicats de police, sur l'expérience espagnole, plusieurs nous ont dit pourquoi pas. Nous ne sommes pas opposés à une expérimentation, mais il y a eu toute une campagne de désinformation qui a véhiculé des idées reçues, en fait. Pourquoi pas être pour une expérimentation s'il y a des maires de villes, de grandes villes, puisqu'il citait tout à l'heure Ebzamen à Dijon ou Martine Aubry. Nous pourrions faire de grandes choses ensemble, monsieur Raoult. Attendez, moi je suis pas contre une expérimentation. Pourquoi pas essayer ainsi ? Mais oui. Écoutez, allons-y. On est essayé de se battre pour que le commissariat de police qui nous avait été promis ne nous soit pas retiré dans le cadre des réaffectations des crédits de construction du ministère de l'Intérieur. On se battra sur ça avec vous. Eh bien, écoutez, chiche. Expérimentation et on se bat. Et c'est un deal, hein. Contre le récipicé, Eric. Exactement. Attention. Non, attendez. Me serrez la main, attendez. Non, mais vous n'allez pas attraper une maladie. Mais non, voyons, monsieur. Donc, en l'occurrence, moi, je suis prêt à toutes les expérimentations, mais on ne va pas recruter des substituts, entre guillemets, policiers pour faire ce que des policiers actuellement ont dit, ça va être trop long si on a des difficultés à le faire. Et d'autre part, je crois vraiment que, vous savez, on dit stigmatiser. Mais pour vous, policier, c'est un signe négatif qu'on envoie aux forces de l'ordre, c'est ça. Yannick, est-ce que vous pensez que ça peut être reçu comme ça par les policiers ? Ça fait partie de la façon dont c'est présenté. Oui. Effectivement, il y a un rejet de la base policière et toute organisation syndicale confondue, même nous qui avons travaillé sur ce thème-là, sur ce dossier, parce que les policiers... C'est une sorte de stigmatisation, oui, c'est de la défiance. À un moment donné, je vais devoir me justifier. Ouais. Qui plus est, derrière tout ça, il y a la création d'un nouveau fichier. Non, parce que l'affiche, le coupon se présente, c'est en gros l'affiche du contrôleur RATP ou SNCF. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre des données, parce que quel est l'intérêt pour nous, policiers, de remplir une fiche s'il n'y a pas un minimum de renseignements que nous puissions conserver? On l'a vu, on la montre, ce sera l'image de la fin. Parce que M. Daniel utilise cet argument plusieurs fois. Vite. M. Daniel, je sais que vous êtes un homme intelligent. Merci. Je le sais. Merci. Je sais que vous ne faites pas dans la malhonnêteté intellectuelle. Nous avons travaillé ensemble sur ce prototype. Nous avons travaillé avec la présidente de la CNIL. Top. Il n'y a aucun risque ni de fichier ethnique, c'est faux, ni de fichier personnel, Top. C'est faux.
Merci à tous les quatre. Et puis, vous continuez, Siam Asbag et Éric Raoult, à faire votre deal ensemble, hors antenne. Le grand journal de Romain Huston, c'est dans une poignée de minutes. Et puis, moi, je retrouve le oui-non avec Philippe Vigier, le porte-parole de l'Union des démocrates et indépendants centristes.